Amen. Amen. Le Christ. Christ. Notre véritable berger. Our true shepherd. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre ce passage. And we'll take the scripture. Dans le psaume 23. In Psalms 23. Le psaume 23. Psalm 23. Alléluia. Amen. Le psaume 23. Psalm 23. Éternel notre Père et notre Dieu. Lord, our God and our Father. Je loue ton nom ce matin. I praise your name this morning. Je t'ai béni ce matin. I bless you this morning. Tu as été mon berger en cette nuit. You were my shepherd during this night. Tu as combattu ce combat pour moi. You fought this battle for me. Seigneur, tu m'as délivré. Lord, you set me free. Et je crois que tu l'as fait pour tous mes frères. And I believe that you've done it for all my brothers, pour mes soeurs, for my sisters, pour tous nos enfants, for all our children. Et c'est ce qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce matin. And this allowed us to be gathered this morning. Dans ta présence. In your presence. Nous pouvons tout faire. We can do everything. Mais ne pas écouter tes conseils. But not listening to your counsels. Serait très mal faire. Will be to do wrong. Seigneur. Lord. Nous venons devant toi. We come before you. Pas comme un homme. Not as a mais as que man. Le Saint-Esprit prenne toute la place. But may the Holy Spirit take the full place. Lui qui a tous les conseils. Him that has all la révélation the advices, de ta parole. The revelation of your pour communiquer à ton peuple. To communicate it to your people. Le meilleur enseignant c'est toi. The best teacher is you. Sanctifie ma personne. Sanctify my person. Et sanctifie ton peuple qui écoute ce matin. And sanctify your people sanctifie listening this cette morning. Salle, Seigneur. Sanctify this prends whole contrôle. Lord. Take full et control. Règne en tant que Dieu. And reign Seigneur, as maître. God. Tout esprit. As God master in upon every spirit. Et que tout te soit soumis. It may all be submitted au to nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Seigneur. Lord. Remplis le cœur d'une joie. Fill the hearts with joy. La joie d'entendre. The joy to hear. Et la joie de mettre en pratique. And the joy to put into practice. Au nom de Jésus-Christ in de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Que nous prions. So we prayed. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très can fort we clap our hands for the Lord? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Beloved. C'est le thème que j'ai décidé de prêcher aujourd'hui. Today is the theme that I've chosen to preach about. Et aussi le livre que j'ai choisi. And the book that I've chosen. Psaume 23. Psaume 23. Probablement qui est le mieux connu dans presque toute la Bible. That is the well-known book in the Bible. Par tout le monde. The most known book in the book by everyone. Alléluia. Nous l'entendons partout. We hear it. Everywhere. Dans le monde, in the world, nous entendons cela. We hear this. Amen. Amen. Partout. Everywhere. Alléluia. Amen. Je crois même que nos enfants connaissent ce psaume par cœur. I even believe that our children know this psalm by heart. Et pour ceux qui ont des titres sur les chapitres. And for those who have subtitles concerning the chapters. Vous allez voir Cantique de David. You will see Song of David. Psalm of David. Amen. Non? Donc c'est David qui l'a écrit. So David is the one that wrote this. Il ne l'a pas écrit dans la chair. He did not write it in the flesh. David c'est un grand adorateur. So David is a great worshipper. C'est quelqu'un qui a aimé Dieu. He's someone that loved God. Il aimait Dieu. He loved God. Il dormait avec Dieu. He slept with God. Il se réveillait avec Dieu. And he used to wake up with God. Il marchait partout avec Dieu. He used to walk everywhere with il God. Il ne pensait que Dieu. He only thought about God. Il ne parlait que de Dieu. He was only speaking about God. Hallelujah. Hallelujah. Bien-aimé. Beloved. Et si nous voulons réellement parler de tous les attributs de David. And if you truly want to speak about all the attributes of David. Ça serait trop. It will be a lot. Mais l'un de ses attributs que nous connaissons. But one of his attributes that we know. Ça c'est Dieu lui-même qui l'appelle comme ça. It is God himself that calls him like this. L'homme selon mon cœur. The man after my heart. Mais beaucoup parmi nous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. But many in the midst of the children of God, us as children of God. Appelé. We also called him. Le vainqueur du géant. The winner of the giant. Le tueur du géant. The killer of the giant. Et nous le savons tous ici. And we all know it here. Chacun sait pourquoi. Everyone knows why. Et je crois que vous vous rappelez l'épisode de David et de Goliath. And I think that you remember the episode of Goliath and David. N'est-ce pas? Right? Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas. Somebody doesn't know. David et Goliath. David and Goliath. Amen. Amen. Frères et sœurs,
Beloved brothers, c'était au cours d'une bataille. It was in the midst of a battle. Une guerre qui opposa Israël aux Philistins. A battle that opposed the Philistines to Israel. Et ce géant appelé Goliath. And this giant called Goliath. Était la star de cette guerre. Was the star, the famous person of this battle. Israël était sur une montagne. Israel was upon a mountain. D'un côté, on one side, et l'armée philistine était d'un autre côté sur sa montagne. And aussi. The Philistine army was also on another corner on the mountain. Et cet homme appelé Goliath, and this man called Goliath, géant de 3 mètres, giant of 3 meters long, venait défier l'armée israël. Came to Israël. Challenge the army of Israel. Et la Bible nous dit. And the Bible tells us tous les soldats, that all the soldiers, y compris le roi, Saül, including the king's Saul, avaient tous peur. They were all afraid. Ils étaient intimidés. They were intimidated. Et Goliath était vraiment pour eux une pierre d'achoppement. And Goliath was truly indeed for them a fallen stone. Alléluia. Il était pour eux cette pierre d'achoppement. They were for them that fallen stone. Et la foi a été engloutie. And their faith, their faith were drowned. C'était maintenant les yeux. It was now the eyes. Ils voyaient les géants. They were seeing the giants. The incapacity. Rien ne pouvait. Nothing could. Et ce peuple était bloqué. Nothing, there was nothing they could do, and these people were blocked. The people of God were blocked. C'est là où un jeune adolescent va arriver. And that's when a young adolescent will come. David. David. Que le père va commettre. That the father will commit. Pour aller remettre de la nourriture à ses frères qui étaient déjà des guerriers. To give food to his brothers that were already warriors. They were already the soldiers. Sur le champ de bataille. On the battlefield. Et quand ce jeune homme va arriver. And when this young man will come. Nous verrons. We will see. Que cet enfant. That this child. Lui, il fera recours à sa foi. He will have faith. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu déjà. Because he had already heard the voice of God. Il a entendu parler de Dieu. He had heard about God. Il a connu l'histoire de Dieu. He knew the story of God. Depuis avec Abraham. From Abraham. Jusqu'en Égypte. Up to Egypt. Jusqu'à ce qu'il possède Canaan. Up to the point that they possessed Canaan. Et il savait que avec ce Dieu-là. And he knew that with this God. Il faut demeurer. You need to remain, you need to dwell David and believe with this faith. Et c'est ce qui a mené David. And this is what led David à aller défier aussi ce Goliath ce jour-là. To go and challenge this Goliath on that Goliath day. Goliath avait intimidé tous les Juifs. Goliath had intimidated all the Jews. Et comme je vous disais tantôt, and as I was saying to you earlier on, c'était un homme qui avait la connaissance même de la guerre. He was a man that had the knowledge. Il était érudit. He was a man that had knowledge about war. Il était puissant, fort, grand. He was mighty, powerful, tall. Il intimidait vraiment toute l'armée. He truly intimidated tous the whole tremblaient, army. Tout le monde tremblait. All of them were trembling. Et tous les matins c'était la même chose. And every single morning it was the same répétition, thing. La répétition. Repetition after no one could stand. Amen. Amen. Aucun Israélite. No Israelite. Ne pouvait se lever pour défendre l'honneur de son Dieu. Could stand to defend the honor of their God. Et la Bible nous dit. And the Bible tells us. Qu'un enfant est arrivé. That a child came. Et avant d'aller plus loin dans notre lecture. And before going further in our lecture. Amen. Le verset 4 de là où vous avez ouvert dit. Verse 4 of chapter 23 says. Je ne crains aucun mal. I will fear no evil. Voici ce que David peut ressortir. This is what David could bring out. Amen. Amen. Si moi j'avais une question à te poser. If I had a question to ask you. Qui sera l'une des questions les plus importantes de ta vie. That will be one of the most important questions of your life. Quels sont les géants de ce monde qui tiennent ta foi en échec? Who are the giants in this world that hold your life in failure? Ta foi. Your faith, sorry, in failure. Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un dans ce monde qui t'empêche de faire ce que tu devais faire pour Dieu? Is there something or someone that prevents you from to do something for God, for your God? Qui t'empêche aujourd'hui? That stop you today. D'être tout ce que Dieu voudrait que tu sois. That stop you today to be everything that God wants you to be. Alléluia. Amen. Pour beaucoup. For many. Les géants prennent la forme de la science et la philosophie. Giants take the form of science or philosophy. And philosophy. Les soucis de la vie. Worries of life. Travail. Work. L'amour pour l'argent. Love for money. Pour certains. For others. Les géants sont les amis du monde. Giants are the friends of the world. Pour d'autres. For others. C'est la famille. It's family. Dans certains cas.
In some cases, c'est même un époux ou une épouse non converti. It's even a non-converted spouse. Et même encore une épouse ou un époux converti. Or even a converted spouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Beloved. Il y a beaucoup de géants. There's a lot of giants. Nous ne pourrons pas les citer tous. We cannot cite them all. Je sais que si chacun a un géant dans sa vie en ce moment. I know that at this very moment, everyone has a giant in their life. Un géant qui est en train de faire face à sa vie, qui est dressé devant lui son Goliath. A giant facing their lives, that Goliath. Je n'ai pas venu prêcher sur Goliath ce matin. I did not come to preach about Goliath this morning. Je parle du psaume 23. I speak about Psalm 23. Alléluia. Nous avons beaucoup d'opposition. We have a lot of opposition. Je me rappelle une sœur. I remember a sister en Côte d'Ivoire, in Ivory Coast. Qui était païenne mariée. She was a pagan married woman. Et cette, elle avait un jour, il a rendu une fois son témoignage. One day I gave her her testimony. Une fois donné sa vie au Seigneur comme ça. And one day she gave her life to the Lord like this. Et elle a tellement aimé le Seigneur. And she loved the Lord so much. Elle s'était vraiment engagée. That she truly committed herself. Mais malheureusement, but unfortunately, son mari, her husband. Bon, il peut se faire appeler chrétien. Can be, you know, so-called Christian. Mais il était d'une autre religion. But he was from another religion. Et il était vraiment opposé à la sœur. And he truly opposed to the sister. Il va se manifester. So he will manifest. Il va commencer à calomnier la sœur chez les frères et les sœurs en Christ. He will start slandering about the sister in Christ. Allez, vouloir détruire la réputation de la sœur. Trying to destroy the reputation of the sister. Mais nous tous on a les yeux. But we all have eyes. Et nous voyons. And we could see. Alléluia. Amen. Donc ça n'a pas marché. So it did not work. Maintenant il est monté sur le pasteur. Now he started to oppose himself against the pastor. Il a commencé à calomnier le pasteur. He started to slander against the pastor. Alléluia. Amen. Il parle partout, il parle mal. He will go everywhere and try to speak badly about the pastor. On ne doit pas dire d'un homme de Dieu, il le dit. Things that we should not say about a man of God, he will say it. Et les gens ont les yeux quand même. And people at least have eyes. Et les gens regardent avec les yeux. And people look with their eyes. C'est vrai, mes oreilles peuvent entendre. It's true that my ears can hear. Mais heureusement, je ne suis pas aveugle. But thank God, I am not blind. Et les gens aussi voyaient. And people could see. Donc ça ne peut pas marcher. So it could not work. Maintenant, c'est l'église qui veut détruire. Now it is the church that he wants to destroy. Je vais brûler cette église. I'm going to break down. Je vais détruire cette église. I'm going to destroy this church. C'est l'œuvre de Dieu. It's the work of God. C'est la maison de l'Éternel. It's the house of the Alléluia. Lord. Hallelujah. Si tu as le courage, va détruire. If you have the courage, go and destroy it. Amen. 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 Donc ça ne peut pas marcher. So it cannot work. À la fin maintenant, c'est la vie de la sœur qui va menacer. So at the end, it's the life of the sister that he will try to threaten. Je vais te tuer. I'm going to kill you. Si tu vas là-bas. If you go there. Si tu es femme. If you're a woman. C'est là qu'on va se séparer. Maybe this is where we'll separate or where I will kill you. Et la sœur. And the sister. Elle a dit. The sister si said. Si un choix à faire. If I have a choice to make. Même si c'est pour mourir. Even if it's to die. Je ne serai pas la première martyre de ce monde. I won't be the first martyr of this world. Il y en a eu avant moi. There was some before me. Même si c'est pourquoi on se sépare. Even if it's for us to separate. L'époux merveilleux c'est Jésus Christ. The marvelous spouse is Jesus Christ. Je préfère Christ. I prefer Christ. Amen. Amen. Regardez la foi de cette sœur. Look at the faith of this sister. Elle est restée intègre. She remained righteous. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. And today she serves the Lord. Et je pense que ce monsieur, and I think il that doit this être man, aussi chrétien maintenant. That he might also be a Christian il now. Il n'est pas parti. He did not leave. C'est vrai qu'il s'était séparé. It's true that he separated mais il est himself, revenu. But he came back. Reprendre sa femme. To take back his wife. Alléluia. Amen. Il est revenu. He came back. La main de Dieu est puissante, dites amen. The hand of God is powerful, say amen. Amen. David dit, je ne crains aucun mal. The Bible says that I will fear no evil. David dit, je ne crains aucun mal. David says, I will fear no evil. Alléluia. Amen. Quel bel exemple de fidélité. What beautiful example of faithfulness. Amen. Amen. Nous devons être fidèles. We have to be faithful. Those who are faithful. Those who believe. Those who dwell. They are rewarded by God. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Beloved. Parfois. Sometimes. Les géants. Giants. Comme vous venez de le voir. As you've seen. Sont les conjoints non croyants. Are our spouses that are non-believers. Et pour eux encore, c'est très difficile. And for them, it's even more difficult. Il arrive aussi que ce soit les profs à l'école. It can even be the teachers at school. À l'université. At university. Ils vont donner tellement de devoirs aux élèves, aux étudiants. They will give so many homeworks to the students. Pour les empêcher de servir Dieu même le week-end. To stop them to serve God even during weekends. Aujourd'hui, on a un géant très farouche. Today, we have a very tough giant. Maman cachée derrière le football. Maman hidden. Behind football, pour que tous nos enfants deviennent des stars so that all our children can become footballers.
hein, les stars. Stars. Parce que ça donne beaucoup d'argent. Because it gives a lot of money. Il y a un piège en dessous. There's a trap underneath. Amen. Non? Amen. C'est quoi? What is it? It's money. Amen. Amen. C'est-à-dire, je peux perdre l'âme de mon enfant. Meaning that I can lose the soul of my child. Pourvu qu'il devienne riche pour me donner beaucoup de milliards. As long as he becomes rich to give me a lot of millions of pounds. Mais si ma épouse, c'est pas notre problème. If he doesn't go to heaven, it's not my problem. Alléluia. Amen. Donc voici encore notre géant. So here is another giant. Que les églises doivent combattre réellement. And churches need to fight truly. Malheureusement. Unfortunately. Les églises n'ont pas de centres de formation de football. Churches don't have any trainings or centers of football. Parce que c'est pas la priorité de Dieu pour because it's not the priority of God. Amen. Oh? Amen. Pour Dieu, c'est le connaître. For God is to know him. Alléluia. Amen. Amen. Oh? Amen. N'ayez pas peur, dites amen. Don't be afraid, say amen. Il y a beaucoup de choses que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. There's a lot of things that we need to know as children of God. Parce que la Bible parle des stratagèmes de Satan. Because the Bible talks about the strategies of Satan. Et si tu ne connais pas, if you don't know tu vas te noyer, perdre ton âme pour rien. You will drown and lose yourself for nothing. Beaucoup de chrétiens. And many Christians. Nous sommes en train de nous perdre, je vous dis la vérité. We are losing ourselves. We are going astray. Je ne sais pas moi qui le dis. I'm not the one saying it. Jésus-Christ l'a dit premier. Jesus Christ said it first. Many will be called. Mais peu de lui. The few elect. Lorsque lui reviendra Jésus Christ. When he will come back Jesus Christ. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Will he find faith on earth? Je vous dis tous les jours, je répète cette même phrase. Every day I'll tell you the same sentence. La foi dont il parle. The faith that he speaks about. Est relative à la parole. Is related to the word of God. Comme nous parlons de David tout à l'heure. As we spoke about David earlier on. Est-ce que je trouverai des hommes et des femmes? Will I find women and men? En train d'obéir à cette parole. Obeying to this en word. En train de se soumettre à la souffrance. Submitting to what? À la souffrance. To suffering. En train de vivre réellement pour moi. Truly living for me. En accordance avec ma parole. In relation to my word. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. This is faith. Parce qu'il a dit il y aura beaucoup d'appelés. Because he said that there will be many that will be called. Ça dit beaucoup d'églises seront là. Meaning that many churches will be there. Mais peu seront ceux qui vont être sauvés. But few will be the ones that will be saved. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça fait peur. Beloved, it is scary. Et il y a beaucoup de stratégies aujourd'hui. And there's a lot of strategies today that the devil uses in churches today to destroy the faith of all Christians. Les gens ne croient plus en la parole de Dieu. People no longer believe in the word of God. On fait beaucoup semblant. We pretend a lot. Mais nous ne connaissons pas. But we do not know. C'est qu'on appelle les préceptes et les principes de la foi. What we call the principles and the precepts of faith. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas, tu es perdu. If you don't know it, you are lost. C'est ce que David avait en lui. And that's what David had in him. Il connaissait Dieu. He knew God. Alléluia. Amen. Il connaissait vraiment son Seigneur. He truly knew his Lord. Donc des fois même les géants se présentent sous la forme d'une philosophie. So sometimes giants present themselves under the form of philosophy. De l'hédonisme, hédonisme. Under the form of hedonism. C'est une philosophie qui parle de la sensualité, tu vois, aujourd'hui vous voyez comme les hommes aujourd'hui. It's a philosophy that speaks about sexuality. On parle des enfants à l'école, ils n'ont qu'à connaître leur corps, ils n'ont qu'à connaître ceci, saying, l'homosexualité, like etc. Beaucoup like de they choses. Teach our children today that our children need to know their body. Tout ce qui est lié à la luxure. Everything that is linked to luxury. Amen, amen. Non, c'est la débauche en même temps, disons. Let's say that it's debauchery at the Est-ce same time. Est-ce que vous voyez pas nos enfants, les jeunes gens aujourd'hui? Do you see our children, our young people today? Si on prêchait ça à l'église, venez. Si on va vous marier, on va donner. If we're preaching this today in church, that come and get married, you will see that the church si will be filled up. Si tu prêchais pour dire non, les jeunes peuvent avoir copains dans l'église, donc après ce qu'ils veulent, tu vas pas avoir rempli ici là. If you were preaching today to say that young people can have boyfriend, girlfriends, you will see that the church will be filled up today. Ils vont remplir ça dimanche. They will fill it up on Sunday. Alléluia. Amen. Voici un peu ce qu'on appelle l'hédonisme. That's what we call hedonism. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Beloved. Il y a toutes ces choses-là. There's all those things. Qui sont devenus des géants à la fois. That became giants at the same time. Le féminisme. Feminism. Alléluia. Amen. On a trop. There's a lot. Si on veut citer. If you want to cite it all. Ça serait tellement. There'll be so many. Les agendas des pro-homosexuels. Les pro-homosexuels. You see the pro-homosexuals. Même dans les églises maintenant. Homosexual pro, sorry. Even in churches now. Oh non, Dieu les aime comme ça. They say, oh no, God loves them like this. Et puis même des pasteurs qui blasphèment, c'est Dieu qui les a créés comme ça. And you even see pastors saying that, oh, it's God that created them. They blaspheme. They say, oh, God is the one that created them like this. Des soi-disant hommes de Dieu. So-called men of God. Ils disent qu'ils vont se marier entre eux, avec un homme. They say that they will get married between themselves, between as men. Et puis, des églises qui veulent accepter. Des églises and churches, there's churches that want to accept it. Non, c'est leur nature, prenez-les comme ça. Oh no, it's their nature, just take it like this. Juste pour rire. Just to laugh. Bien ami qui m'a dit.
I have a friend that told me this. It's a brother. Il dit, même Satan, he said that even Satan, si tu te trompes, toi, garçon, pour dire que tu l'aimes, va te tuer. If you make a mistake as a man to say that, oh, you love him, he will kill you. Il va te tuer. He will kill you. Ouais, il peut pas être homosexuel. Because he cannot be homosexual. Alléluia. Amen. Pourquoi toi, homme, tu fais ça? So why is it that you, as a man, you do it? Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la vérité. Beloved, this is the truth. Même les animaux ont peur de ça. Even animals are afraid of this. C'est maintenant l'homme qui aime ça. But it's men that love it now. Et c'est ce qu'il faut prêcher pour faire plaisir aux églises. And that's what we need to preach to please churches. Bien aimé. Beloved. Il faut que nous sachions ces choses. We need to know these things. Que Dieu veut que nous combattions les géants. And God wants us to fight giants. Que nous répondions à leurs défis pour honorer le nom de Dieu. We need to respond to their challenges to honor the name of Alléluia. God. Hallelujah. Il faut vraiment répondre. We truly need to respond back. Face aux gens. As we face leur répondre, people, faut leur présenter we Christ. Need to present Christ to them. Avec fermeté. With fermity. C'est ça le défi. This is the challenge. À relever. To lift Aujourd'hui, up. L'église a peur. Today the church is afraid. L'église est devenue une église qui se conforme au monde. The church became a church that conforms to the world. Nous émergeons avec le monde. We emerge with the world. C'est le nouvel âge. It's the new age. Non, faut pas dire ça. No, don't say this. Jusqu'à là, mon plus grand choc. Until now, my greatest shock. C'était qu'un jour en France. Was that one day in France? J'entends dans nos rangs des pasteurs qui disent. I hear in the rank of our pastors saying. Que non, faut pas prêcher le retour de Jésus aux adolescents. C'est trop effrayant. That no, you shouldn't preach the return of Jesus Christ to the adolescents. It's scary. Oh, les enfants là, regarde la pornographie, hein, c'est pas those children, they watch pornography. It's not scary. Démoniaques, c'est pas they watch devilish movies. It's not scary. Et les parler de Jésus qui revient effrayant. So speaking to them about the return of Jesus, is it scary? Hallelujah. Amen. Demandez-leur quel film ils regardent. Ask them which kind of movie they watch. Hallelujah. Amen. Et c'est le retour de Jésus pour sauver qui est effrayant. So is it the return of Jesus Christ to save that is scary? Vous voyez, you see, on a beaucoup de géants. We have a lot of giants. Même dans nos églises. Even in our churches. On a des géants à combattre. We have giants to fight. Alleluia. Amen. Nous avons beaucoup de géants. We have a lot of giants. Devant de nos vies. Before our life, our lives. Amen. Oh. Amen. Donc nous devons faire face à cela. So we need to face Dieu it. A besoin d'hommes et de femmes comme David. God needs women and men as David. En es-tu un aujourd'hui? Are you one of them today? Mon frère, ma sœur. My brother, my sister. Es-tu l'une de ces femmes que Dieu veut? Are you one of those women that God wants? Qui peut se tenir fermement? That can stand firmly. Dans la présence de Dieu. In the presence of God. La cause de Dieu, to defend the sake of God. That shows the gospel sans avoir honte, without being ashamed, sans trembler, without trembling, face à toutes circonstances, facing all circumstances. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. This is faith. Bien-aimé, beloved, est-ce que tu fais face à ton géant? Are you facing your giant? Ou bien te caches-tu dans les creux du rocher? Or do you hide yourself inside the rock? Sorry. Amen. Amen. Et c'est ce que David avait fait un moment devant Saül. And that's what David did at some point in front of Saul. Mais pour lui, c'était normal. But for him, it was normal. Parce que c'était un homme oint qui le poursuivait. Because it was an anointed man following him, chasing him. Il ne pouvait pas combattre cet homme oint. He could not fight against this anointed man. Tout ce qu'il pouvait faire, all that he could do, c'était se cacher. Was to hide. Amen. Amen. Il y en a qui ont pu se cacher aussi comme Élie. And some could also hide as Elisha. À cause de Jézabel. Because of Jezebel. Il est entré dans une grotte, il allait he se cacher. He entered into a cave to hide. Dieu n'était pas content. God wasn't happy. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. And there's a lot of Christians like this. Grottes, they hide themselves into caves, inside the caves. Because of a circumstance. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la foi. They don't have the strength, they don't have the faith. Ils fuient les circonstances. They flee from circumstances. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Beloved. David était un héros pour son peuple. David was a hero for his people. Amen. Amen. Il savait honorer le nom de Dieu. He knew how to honor the name of God. Il a combattu. He fought. Pour libérer Israël. To set free Israel. Et lui qui a tué ce géant Goliath. He is the one that killed this giant Goliath. David n'était véritablement quand on parle de héros. But David was truly a hero when Parce we speak about heroes. Parce qu'il était convaincu que le Seigneur prendrait soin de lui. Because he was convinced that the Lord would look after him. Peu importe les circonstances. No matter the circumstances. Et Dieu Yahweh ne l'abandonnerait jamais. He knew that God Yahweh would never forsake him. Alléluia. Amen. Il avait une pleine confiance. He had a full
a confidence. Sa foi en Dieu était grande. His faith in God was great. Sa foi et son courage se trouvaient leurs racines dans cette foi-là. His faith and his courage was found in this root. Trouvaient leurs racines. Was found its root. Dans cette foi. In this faith. C'est parce qu'il voyait Dieu. It's because he saw God. Comme si lui-même David était sous l'ombre des ailes de Dieu. As if David himself was under the shadow of the wings of God. Lorsqu'il affrontait les épreuves. When he was facing trials. Et c'est pour cette raison qu'il était un roi formidable. And it is for this reason that he was an admirable king. Et incroyable. And unbelievable. Qu'il refusa même aussi de tuer Saül. That he even refused to kill Saul. Et qu'il a même élargi les frontières d'Israël. And that he even extended the borders of Israel. 1 Samuel 27, 6 va vous le dire. 1 Samuel 27, 6 will tell you. Alléluia. Amen. Chez les Philistins. To the Philistines. Il est allé, il a pris un territoire. He went there and took up some of their territories. Alors que Dieu avait déjà tracé les frontières d'Israël avec Abraham. Whereas God had already traced the borders of Israel with Abraham. David en a ajouté. David added up. Alléluia. Amen. Il avait la foi. He had faith. Il était confiant. He was confident. Il sait que Dieu peut tout faire. He knew that God can do all things. Alléluia. Amen. Bien-aimé, beloved, quelle relation tout cela a avec ce que je suis en train de dire du psaume 23? Which connection does this have with the Psalm 23? C'est comme si je parlais de la guerre seulement. It's as if I was just speaking about war. Amen. Amen. Mais ce que nous pouvons connaître, savoir pardon, ce matin, but what we can know this morning, c'est que ce psaume reflète la foi. Is that this psalm reflects faith. Et la grande confiance qu'il avait en Dieu. And the great trust that he had in God. Ce psaume explique comment il concevait sa relation avec le Seigneur. This psalm explains how he had, sorry. Comment il concevait sa relation avec le Seigneur. How he maintained his relationship with the Lord. Et comment il parvenait à faire ce qu'il faisait. And how he was able to do what he was doing. Et le psaume 23 est sans aucun doute. And Psalm 23 without doubt. Un des plus beaux chapitres de la Bible. Is one of the most beautiful chapter in the Bible. Un des plus cités. One of the most cited et ones. Un auteur a dit, je vais and lire. An author said, I'm going to read it. C'est pas, dit, ce psaume a rempli le monde d'un chant joyeux. He said that this psalm has filled the world of a joyous song. Il a apporté, joyful song, sorry. Il a apporté plus d'espoir aux hommes que n'importe quel poème. It brought much hope to the world and more than any other poems. Béni soit le jour où ce psaume a été écrit. Blessed be the day when this psalm was written. Et un autre théologien qui a dit ceci. And another theologian said. Il dit ce passage a essuyé plus de larmes que toutes les philosophies du monde. He said that this psalm has wiped away any other tears than the whole world. Ce passage a essuyé plus de larmes que toutes les philosophies du monde. This psalm has wiped away more tears than other philosophers in the world. Thank you. Il a réconforté les plus pauvres des plus pauvres. It has comforted the most poorest people of the poor. Il a procuré du courage à toute l'armée des découragés. It has given courage to all the à toute l'armée des découragés. To all the armies of those who are discouraged. Il a adouci les souffrances des malades. It has softened the pains of those who are sick. Les souffrances des prisonniers dans les prisons. The sufferings of the prisoners in prisons. Des veuves et des orphelins. Of the widows and the orphans. Des soldats mourants. Dying soldiers. Les soldats mourants ont fermé les yeux facilement grâce à lui. Dying soldiers have opened their eyes easily. Ont fermé les yeux plus facilement grâce have à lui. Have closed their eyes easily because of him. Alléluia. Amen. Les malades dans les hôpitaux ont été bercés par lui. Sick people in the hospitals were comforted by him. Les esclaves chrétiens sont morts plus libres que leurs maîtres grâce à lui. Christian slaves died happily. Sont morts plus libres. That died more freely que leur maître. Than their master grâce à lui. Through him. Because of it. Et ceux qui ont enterré leurs bien-aimés ont souvent voulu mourir eux-mêmes, eux-mêmes. And those who buried their beloved ones ont souvent voulu mourir eux-mêmes. Often wanted to die themselves. Non pas parce qu'ils étaient tristes. Not because they were sad. Du fait d'avoir perdu quelqu'un. Of the fact of losing someone. Mais parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de voir le Seigneur aussi vite que ceux qui venaient de perdre. But because they did not have the opportunity to see the Lord as quick than those who have just died. Alléluia.